Le CESVAC, Centre d'études Spirit Vendéen, présente. La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 7. Le respect. Que je sois petit, grand, maigre, gros, quelle que soit la couleur de ma peau, je fais partie de l'univers. Je suis respectable et chacun est respectable. Et moi, je suis différent. J'ai ma place aussi. Bien sûr que tu es respectable. Nous le sommes tous. Le respect, c'est prendre les autres, nous-mêmes et notre monde en considération. C'est se montrer respectueux et le respect est une vertu. On met en pratique cette vertu en traitant tout le monde avec amour, patience et gentillesse. La règle d'or de cette vertu est « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » Les gens sont différents, parfois physiquement. Ils ont des capacités et des goûts différents. On peut tous avoir des opinions, des goûts et des sentiments différents et s'entendre quand même très bien. Respecter les autres, c'est essayer de les comprendre, ressentir ce qu'ils ressentent. Il existe aussi des mots magiques. S'il te plaît, merci, pardon, excuse-moi. Le fait d'être attentif à l'autre est une bonne façon de témoigner du respect, comme celle de traiter les autres de façon juste. Il est bon de manifester ses sentiments quand on le fait avec respect. Le respect interdit qu'on se moque de ce que les autres aiment ou aiment faire. Même si les autres se conduisent mal, se moquent d'un camarade de classe par exemple. Le respect oblige à faire ce qui est bien, peu importe avec qui l'on est. Toi aussi tu mérites le respect. Quand tu respectes les autres, tu les acceptes tels qu'ils sont. Et quand quelqu'un te respecte, il te fait savoir que tu es aimé comme tu es. Témoigner du respect aux autres t'aidera à obtenir le respect des autres. Mais ce n'est pas toujours vrai. Alors dans ce cas, ce que disent ou font les autres, tu n'y peux rien. Mais tu peux toujours contrôler tes propres comportements. Respecter n'est pas toujours facile. Au début, cela peut demander des efforts. Mais c'est facile quand cela devient une habitude.